entre l'Aquitaine et les Pyrénées, la Gascogne. Une terre de châteaux forts qui protège des villages au sommet de collines. Comme ici à Lavardens, en plein cœur du Gers. Un peu plus loin, au milieu des vignes, le château de Herbouc veille sur la campagne depuis 7 siècles. À l'ouest du département, voici Castelmaur, le château qui vit naître le plus célèbre des cadets de Gascogne, D'Artagnan le mousquetaire. Et sur une butte, au centre de la région, le Mas d'Auvignon. Un village de 150 habitants, adossé à son château gascon du XIIIe siècle. Un ensemble de bâtiments autour d'une cour ceinturée de remparts et protégée par 5 tours. Ce château a appartenu pendant 200 ans à une même famille qui l'a vendu en mauvais état à un couple d'Hollandais. Mais depuis 3 ans, Walter et Pamela Philippe redonnent à l'édifice toute sa splendeur médiévale. Ceci, c'est un exemple d'une pièce qu'on a restaurée. On a refait l'électricité, on a refait les murs, on a refait le plafond, on a refait la peinture et on a bouché les trous qui étaient au sol. Parce qu'il y avait de grosses trous dans le plancher, on a refait tout. Et je pense que c'est pas mal réussi. C'est pas encore fini, mais c'est la base. Pour mieux comprendre l'histoire de son château, Walter fait appel aux historiens spécialistes de la région. Aujourd'hui, il reçoit la visite de Jacques Lapart. Un passionné de château gascon qui n'était pas venu ici depuis 10 ans. Oui. Effectivement. Il redécouvre le monument historique après 3 ans de restauration. La dernière fois, monsieur Philippe, que j'étais venu, on avait beaucoup de mal à lire l'architecture, à lire le plan de l'architecture, puisqu'il y avait de la végétation, de la broussaille. Et on ne voyait pas du tout comment se présentaient les constructions. En dégageant la cour, Walter a révélé la structure originelle de la forteresse. L'historien peut désormais mieux voir son organisation. Oui, là le chemin de ronde.